bienvenue à cette capsule futée concernant une question que je me fais souvent poser lors de mes consultations en promenade éducative. On me demande souvent, mon chien a toujours le nez au sol et est toujours en train de tirer sur la laisse pour aller sentir les moindres petites odeurs qu'il pourrait aller chercher. Donc, quoi faire pour faire en sorte que le chien nous donne un peu plus d'attention, donc un peu plus de focus en promenade et arrête ainsi de tirer sur la laisse. Donc, voici ici un petit exercice à faire à la maison, donc dans votre cour puis au parc, pour faire en sorte que votre chien puisse généraliser le tout. Donc, bonne pratique! Aujourd'hui, un autre conseil futé à pratiquer à la maison pour améliorer le focus de votre chien lors de la promenade. Donc, pour commencer, tout simplement, vous allez prendre une pochette de gâterie derrière vous, cachée. Attirer votre chien, lancer la gâterie, le laisser chercher. Donc, le but est que le chien cherche puis qu'il prenne le moins de temps possible à revenir vers vous par la suite. Donc, j'attends un peu, je le laisse trouver la gâterie, sentir un peu. Quand ça commence à être long, on peut l'attirer à l'aide de bruit ou avec son nom pour pouvoir relancer par la suite une autre gâterie de l'autre côté. Alice? Yeah! Oui, bon chien! Yeah! On relance, on attend un peu. Dès qu'il nous regarde, ou se retourne vers nous, revient un peu vers nous. Bon chien! Ouais! OK, on relance un autre. Donc, le but, c'est de lui montrer que oui, c'est le fun de sentir, aller voir ailleurs, mais c'est encore plus le fun quand elle est proche de nous. Alice! Donc, elle récupère une autre gâterie à chaque fois. Donc, c'est à répéter plusieurs fois. Vous allez voir que votre chien va rapporter son focus beaucoup plus rapidement vers vous. À chaque fois que vous allez en faire, plus vous allez en faire. Donc, merci pour votre écoute et c'est tout pour notre capsule Chien futé.